Qu'est-ce que c'est que ce bordel de couilles à chiottes? Est-ce qu'on le prend au sérieux ou est-ce que nous sommes racistes et on s'en fout qu'il y ait du niaqué partout? Bah en fait c'est ce que j'allais dire, c'est du niaque quoi. Heureusement que je suis pas niaqué en même temps bouseux. Bon bah c'est un peu pareil, rassure-toi. Écoutez, je m'interroge tout de même, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on intervient pas? Est-ce qu'on intervient? Bah, est-ce qu'on a un peu peur? On envoie le bouse de là-bas. Vous me permettez une réflexion? Oui, si elle est bête, par contre, je vous rétrograde au rang de... Ah, vous êtes quoi actuellement? Officier en formation cadet. Très bien. Si vous allez bête, vous serez officier chien de chasse pour la LSPD, oui. Yeah. Oui. Là, vous allez voir, vous allez être étonné. Dites-moi. Le seul gouverneur s'est désamorcé de bord, mais on peut lui demander. Ok, bon, très bien. J'ai compris. Waf, waf, waf. Oui, waf, voilà, super. Waf, waf, waf. Un bon toutou, c'est ça. C'est Bouffelard qui va être content. Ah oui, c'est vrai, il adore les chiens, oui. Oui. Une bonne brigade canine, ça. Oui. Comment il adore les chiens, ah waf. Bah bonjour mes collègues, je vais bien. Oh, ah bah. Bonjour, Bouffelard. Maréchal, le collègue, bonjour. On parle du loup, je vous ai pas vu arriver, vous. Ah, vous voulez changer, vous. Ah bah, j'ai une bonne nouvelle, Mouflard. Oui. Oui, nous avons trouvé un toutou, regardez derrière vous. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, Henri, là? Mais arrête, me laisse pas le goût de l'eau. Baguette, qu'est-ce qui te prend, là? Vous avez fait la fête, Mouflard? Non, c'est parce que je suis allé au parc d'attractions, j'ai ce souvenir en américaine, quoi. Pour ressembler plus à un américain, comme ça, avec ma Santiago, ça fait beau. Salut, Mouflard, salut, Smith. Okay. Salut, cheveux. C'était quoi comme parc d'attractions, Mouflard? Je suis allé au roi de la bière. C'est un parc d'attractions, ça? Ouais, il y a des chiens et des bières. Par roi de la bière. Eh oui, du coup, vous avez siphonné le bar pendant combien de temps? Voilà, je viens de rentrer, capitaine commandant maréchal. Ah oui. Ouais. Vous avez combien de grammes à peu près? J'ai n'ai mais j'ai des canettes de 50. J'ai acheté 12 casquettes. Moi, je commence à faire, quoi. 12 casquettes de 50, ah oui. Ouais, bon, vous m'avez convaincu, je vais me chercher une bière. Non, mais non! Capitaine! Oui! Résistez! Oh, une fou! Résistez à l'appel! Oh non! Salut, j'ai ça vraiment... va, ça roule, ça gagne! J'ai vraiment pas envie de résister. Non, non. C'est vrai que Bouffelard, depuis qu'on joue ensemble, on se dit toujours ce qu'on boit IRL dans notre jeu, c'est pas très RP. Mais bon. Allez, hop là. Non, faut pas résister. Dans toutes les unités, il semblerait que les... C'est parce que je suis allé au parc d'attractions, je... Je vous rends de... Ah, vous êtes quoi actuellement? Officier en formation cadet. Très bien. Si vous allez bête, vous serez officier chien de chasse pour la LSPD, oui. Yeah. Oui. Là, vous allez voir, vous allez être étonné. Dites-moi. Le seul gouverneur s'est désamorcé de bord, mais on peut lui demander. Ok, bon, très bien. J'ai compris. Waf, waf, waf. Oui, waf, voilà, super. Waf, waf, waf. Un bon toutou, c'est ça. C'est Bouffelard qui va être content. Ah oui, c'est vrai, il adore les chiens, oui. Oui. Une bonne brigade canine, ça. Oui. Comment il adore les chiens, ah waf. Bah vous bonjour, mes collègues, je vais bien. Oh, ah bah. Bonjour, Bouffelard. Oh, maréchal, le collègue, bonjour. On parle du loup, je vous ai pas vu arriver, vous. Ah, vous voulez changer, vous. Ah bah j'ai une bonne nouvelle, Mouflard. Oui. Oui. Nous avons trouvé un toutou, regardez derrière vous. Mais qu'est-ce que tu fais, Henri, là? Mais arrête, me laisse pas le goût de l'eau. Baguette, qu'est-ce qui te prend, là? Vous avez fait la fête, Mouflard? Non, c'est parce que je suis allé au parc d'attractions, j'ai ce souvenir en américaine, quoi. Pour ressembler plus à un américain, comme ça, avec ma Santiago, ça fait beau. Salut, Mouflard, salut, Smith. Okay. Salut, cheveux. C'était quoi comme parc d'attraction, Mouflard? Je suis allé au roi de la bière. C'est un parc d'attraction, ça? Ouais, il y a des chiens et des bières. Par roi de la bière. Eh oui, du coup, vous avez siphonné le bar pendant combien de temps? Voilà, je viens de rentrer, capitaine commandant maréchal. Ah oui? Ouais. Vous avez combien de grammes à peu près? J'ai n'ai mais j'ai des canettes de 50. J'ai acheté 12 casquettes. Moi, je commence à faire, quoi.
12 casquettes de 50, hein. Ouais, bon, vous m'avez convaincu, je vais me chercher une bière. Non mais non, capitaine. Oui. Résistez. Résistez à l'appel. Oh non, salut, j'ai vraiment... ça roule, ça gagne. J'ai vraiment pas envie de résister. Non, non. C'est vrai que Bouffelard, depuis qu'on joue ensemble, on se dit toujours ce qu'on boit IRL dans notre jeu, c'est pas très RP. Mais bon. Allez, hop là. Non, faut pas résister. Oh, toutes les unités sont au fond, capitaine. Bah. Le premier capitaine que vous avez pu le vériser. Ah oui. Et ben voilà. Encore une victoire de la police de la 99e. Incroyable. Capitaine. Merci, merci. Allons, allons fêter ça avec une bonne bière à l'unicorne. Ah. Finalement, c'était pas la bonne voiture. Ah bah, mais c'est vous, je vais aller désamorcer la situation. C'est bon, c'est désamorcé, hein. C'est pas mieux qu'ils vont enlever ma voiture, dis. C'est quoi ce délire des bombes qui explosent là? Il se passe quoi sur le serve? C'est quoi ça? C'est quoi ces attaques poussies de bombes? Y'a pas plus tapette que de poser des bombes. Sérieux? Tu vois personne. Tu déposes une voiture et tu déposes une bombe. Et après? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, nous? Merde. Ouais, y'a des indices dans les textos, mais bon, on va faire des enquêtes. Là, je crois que c'est à cause du Karcher. Ah, tu crois? Capitaine, il y a peut-être besoin de nettoyer la dépanneuse qui veut enlever des véhicules de police. Oups. Appelez les médecins, il y a un officier qui est passé devant le Karcher. Et pourquoi il emmène le véhicule de police? Bien entendu. Oui, des bombes, quoi. Oui. Mmh. Des choses qui explosent. Oui, des bombes, quoi. Hein. Mmh. Vous comprenez que, enfin, voilà, je veux dire, ils ont pas sorti leur arme en tirant l'air, ils ont posé des bombes. Oui. Mmh. Donc c'était forcément prémédité, on ne pose pas une bombe par mégarde. Oui, des bombes, quoi, oui. Oui. Des bombes. Vous en pensez quoi, du Cobu? Bah, comme je vous avais dit, moi j'étais parti sur le forfait à 5$, parce que bon, quand même, voilà, possession d'armes et tout, c'était un forfait à 2$, donc je me disais que 5$ pour poser des bombes, c'était quand même beaucoup, hein. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, comment ont-ils trouvé des bombes? Oui, c'est ça qu'on va essayer de savoir, oui. Ils sont en train d'être interrogés, mon gouverneur. Très bien. Bon, à très bientôt, gouverneur, et très belle entrée avec le 4x4, plus la limousine, plus les gens qui agitent les mains en l'air. Oui. Ouais. Mais ils m'ont volé ma limousine, je ne connais pas ces personnes-là. Ah, effectivement. Bon courage. Merci. Ne faites surtout pas appel à la police, quand c'est comme ça, on pourrait les retrouver. Effectivement, mais il y avait des policiers derrière, mais qui ont préféré danser avec eux. Ah, d'accord. Voilà. Faut pas la faire avec vous. Encore une affaire résolue par la 99e du Cobu. Ah, monsieur Mouffard, j'ai besoin de vous. Capitaine Commandant Maréchal. J'ai besoin de vous. Oui. Est-ce que vous pourriez... J'hésite à... J'ai fait le petit gougoute dans le slip. Ah. Du coup, j'ai pas envie d'aller retourner me laver les mains. Est-ce que vous pourriez juste refermer ma braguette, s'il vous plaît? Oui, montrez-moi Maréchal un petit peu de plus près. Faites voir, voilà. Hop. Attention. Attendez, je vais pousser un peu sur... Voilà.
Ah bah parfait. Merci Mouflard, vous êtes donc, je sais qu'on peut ouais. compter sur vous. Ouais, je vous en supplie, ça va sinon c'était bonne journée. Super bien, on s'amuse comme des petits fours. Venez, d'ailleurs, on va en mettre quelques-uns au crématorium. J'étais un commissariat hier. Mettez un mandat d'arrêt sur cette personne. Oui. Donc là, vous allez être libéré. Oh, bah, mon capuchef. Aïe. Oh, ça va. Attention. Ici, je trouve un tâche de café. Ouais, c'est les chaises Ikea, faites attention. Pourquoi vous voulez libérer ces personnes? Ah bonjour. Bah, parce qu'ils ont été interrogés, monsieur. Le lieutenant a fini avec l'autre et... Oui, mais ils ont posé des bombes. Et non, justement. Ah, c'est quoi alors l'histoire? Eh ben, c'est toujours les mêmes, hein. C'est les petits qui vont dans les maisons, tout ça, farfouiller, et ils sont servis des attentats qu'il y a eu pendant qu'on avait le tourné pour aller faire leur petit méfait, encore une fois. Ma part, t'es pas obligé de dire ça, tu peux soutenir le truc de la bombe quand même. Hein. Pardon? Mais devant les autres, faut dire que la bombe c'était nous, parce que sinon après on passe pour des nazes. T'as pas compris, hein? Complètement drogué, j'ai l'impression, ou alors complètement alcoolisé, mon chef. Ah non, j'en ai pas pris aujourd'hui. Hein. Alors pourquoi j'étais sur les lieux aussi vides hein. Ils ont été sur quel lieu vous les avez trouvés sur le... Je fais la manipulation, mais ça ne marche pas. Je vais essayer. Station service près de la banque. Ça va, je prendrai les petites. Nous allons vers le complexe de concert. Ah bah oui, ça a arrêtez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, je sais pas, je panique. À droite, demi-tour. Putain de merde. Bon. D'accord. Arrêtez-vous, déposez-vous. Putain de merde. Qu'est-ce qu'ils font? Hop. Oh, ça va. L'utilisation du parc. Reste sur la route. Descendez. Putain. Allez, continuez, essayez de les trouver. Je sais pas. Quelqu'un a vu où il partait ou pas? Aïe. Non. À droite. Pensez. Oui, du nerf, chef, du nerf. Putain. Alors. Ah. Vous avez tous une bière, j'espère. Prenez dans le coffre si vous avez une petite soif. Ah, ah oui, d'accord. On peut boire. Ah oui, oui. Ça, oui. Ouais, buvez. Vraiment, buvez. Hein. Ah, allez-y. Oui, attendez. Oui. J'ai de l'alcool, de vodka, attendez. Ah. Ah. Cette odeur d'incompétence qui super remplit bon, mon c'est estomac. Le vodka. Ah, quel bonheur. Et puis il y a la viande aussi, il y a la viande. Comment ça, il y a la viande? Je maîtrise pas les propos, je suis en train de... Ah, je crois que c'est les effets secondaires. Ah, putain, c'est de vodka, c'est du deux-en-âge. On dirait de la cyprine de moineau. Ah oui. Vous êtes en train de faire une Nikita Bellucci déjà? Ah, ça va aller. Ah. Vous êtes sûr, hein? J'aimerais pas que ça se finisse chef, en Karen Locum. Je vous confie un... Il se trouve que j'ai malencontreusement... Oui? Enfoncé le matraque dans le cul, apparemment, s'il s'agissait du gouverneur. Je préférais vous l'avouer. Bon, très bien. Donc, il faut que je gère cette situation de crise avec le gouverneur. Et c'est bizarre, il ne m'en a pas parlé. Peut-être a-t-il pris du plaisir? Non, il a perdu connaissance, il a oublié. Je pense que ça doit être ça. Ah! De toute façon, quand je lui ai glissé ça, j'ai l'impression que ça rentrait comme papa dans ma main, comme dans du beurre. Vous insinuez que c'est un vrai cuistot? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai envie de baiser une moche. Mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît, monsieur. Ça ira pour cette fois-ci. C'est quoi ces PNJ qui coupent la route, qui font n'importe quoi? Est-ce que je donnerais pas pour bouffer un cul à cette heure-là? Ah, et bah écoutez, on peut toujours appeler le gouverneur. Oui. Oh, c'est nous, il y a les licornes. Et on peut... Qu'est-ce qui veut bien venir me chercher? Oula, je crois qu'il y a une risque là, attendez.
Non, non, vous inquiétez pas. Bonne soirée, c'est de la merde. Salut, monsieur. C'est de la merde jusqu'au bout. Ils m'ont tabassé. Oui, bonsoir. Salut, oui. Dany. Bon vieux Fergus. Salut, Dany, ça va ou quoi? Ça va, ça va, t'es ramé. Non, ça va, ça va. Monsieur, je suis tombé sur un agent, ils ont tabassé Fergus. Ils voulaient me remettre deux noms en place pour un cavicule. Ils ont tabassé Fergus. C'est qui, Fergus? C'est Fergus, moi, Fergus. Comment ça, la femelle, le... wesh, quoi. La femelle, elle m'a tabassé. Oui, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous ce qui s'est passé, mademoiselle. J'ai rien fait, monsieur, j'ai rien fait, je vous jure là. Il a voulu faire des attouchements à madame, wesh. J'ai rien voulu. Ouais, mais j'ai pas envie de chercher Tribalak. Je veux pas me démener, là, je t'avouerai. Il y a sodomite qui a voulu se bagarrer. Je suis gavé, franchement, je suis gavé. J'ai un peu trop bu, là, je sais pas si... Ah non, non, vous vous démerdez, hein. C'est vous qui m'avez dit qu'il y avait une rixe, alors gérez-la, maintenant. Moi, je vais boire une... Bon, hé, bon, les gars... Ouais, c'est quoi, on peut faire pire, personne n'insulte l'eau. Bon, s'il vous plaît, vous pouvez disperser et circuler, là. Hé, oh. Bon, non, on est pépouce tranquille ici, on va rester. Bon, hé, va se calmer, là, oui, hé, hé. Beaucoup. Hein. Eh, hey, Jennifer Lopez, là, Jennifer c'est Lopez. C'est pas Jennifer Lopez, c'est Mélissa. Voilà, merci. Oh. Oui, Mélissa, Mélissa. Mélissa Lopez. Ouais, ah, c'est marrant, oui, tout le monde me fait la blague, hein. Oui. Mademoiselle, s'il vous plaît, veuillez calmez-vous. Et les gens... Le droit, il faut que tu circules. Ouais, il y a des gens qui circulent avec tes couilles. Ça sent le whisky ici, je peux reconnaître. La petite jeune, tiens. Viens, viens, viens par ici. Voilà, c'est bon, elles sont étalées. Maintenant, vous circulez. Sachez que je retrouverai tous un par un. Eh, le pakistanais Flash Gordon, là, tu vas circuler maintenant, c'est bon, allez, on passe. Mais non, c'est lui, là, avec les cheveux roux, là, qui parle. Allez, on circule. Bon, écoutez, vous voulez pas reprendre votre jupe et retourner, je ne sais pas, moi, éponger le sol avec les culottes de votre mère, je ne sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes sur le trottoir, là encore? Je suis habillé comme un sodomite et tu juges mon culte. Ouais, 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 c'est ça. Je suis habillé comme, pardon? Un sodomite. Bon, embarquez-le, je pense qu'il va prendre pour tous les autres ce soir. Il faut que je me vende sur quelqu'un. Levez les mains, monsieur. Allez, restez ici. Levez les mains. Ouais, d'accord, très bien. Ça, c'est le tunique rouge. Ils s'en prennent à William Wallace. On va en faire notre punching ball de la soirée. Allez, ça fera du bien. Monsieur, levez les mains. Passez-moi les mains derrière les dos. Vous allez vous mettre les mains. Bon, et bikers là. Oh, et maintenant c'est bon, tu circules maintenant. Je suis pas un bikers, monsieur. Allez, mettez-le dans le tailleur. Avec des bras aussi tatoués, t'as certainement le sida. Donc maintenant tu t'en vas. Ok. Tu prends tes clics et tes Attendez, non, il y a mieux. Qui c'est qui en voulait au rouquin ici? Est-ce qu'il y en a un qui en voulait au petit rouquin là-bas? Comment ça? Je sais pas, et vous l'aimez bien le petit bonhomme avec sa jupe? Qu'on a mis dans la voiture? Arrête pas de nous montrer ses couilles, c'est un bâtard. Ah bon, bah très bien, sortez-le du véhicule. Ah ouais. Ah, t'aurais dû en plus, il a voulu, il a montré ses couilles tout à l'heure, c'est un fou, il est taré. Allez, on y va, hein. On a rien vu du tout. Bon, allez, c'est bon, on l'a rien vu, les gars. C'est quoi de lui? Merci d'avoir. Vous le laissez là. Attaché? Oui. Salut, salut, à plus, oui. Attaché là? Oui, oui, ici, oui. On fait quoi? On fait 3-2? Bon, l'écossais, bon, bah tu le laisses ici, hein, calé, hop. Oui. Je vais me faire tabasser, j'en ai rien à foutre, je suis complètement bourré. On y va? Tu bouges plus, hein, tu vraiment, tu peux plus bouger. Mais vous faites quoi avec Fergus? Mademoiselle, ce ne sont pas vos histoires. Cette personne a commis un délit, c'est on essaie de le... Oui, Zoom, il a eu peur que je le laisse attacher. Alors, suce ton pote, il me fait pas chier. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Bon, allez, on y va. Vas-y, casse-toi le index. Ah oui, suce ton pote, c'est quoi comme... Ça veut dire quoi? Je n'ai... Non, non, en fait, j'ai simplement... Bon, attends, faut qu'on s'occupe. J'ai simplement demandé de prendre soin de son pote, voilà. Ah oui, très bien. Ah. Vous avez vu, maintenant, ils ne reculent devant rien. Ils aiment se trimballer en scooter, les homosexuels. Ouais, je vois ça, oui, oui. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est regardez, il est mignon, hein. Il lui touche un peu le derche. Vous savez que la version de l'opposition sur un anu comme ça, ça permet de se regarder l'équilibre sur une moto à deux temps. Ah oui? Comment je suis baraqué, jamais il parle à moi comme ça. C'est à toi qui parle. Vous savez, il parle de baraquement. Ils se mettent dans des baraquements. Bien sûr. Ils se refilent le sida, c'est pédé. Il y a une agression qui se fait là, les gars. Ils sont en train de sortir le robot. Vas-y, accélère. Ah bon? Ah, on nous appelle. Ah, on y va. Ah, on y va. Je vais pas tarder à prendre une fin de série. Je crois que je suis fatigué. J'ai pas mal roulé aujourd'hui. Et regardez-le. Vous pensez qu'il va essayer de se reproduire directement sur le scooter?
Mais... Putain, regarde sa coupe de surfeur. Je sais même pas, je sais même pas si c'est un 50 cm cube homologué ça. Je pense que c'est un 30 avec les petits trous. Bah on est là hein. Il est en mode 3. C'est ce qu'on appelle des enculeurs de paraboles, ça, je connais un peu. Ah, vous pensez que ce sont ce qu'on appelle ceux qui volent l'électricité dans les stades de foot l'été? Oui, ils volent également du cuivre. Ah. Bon, messieurs. Putain, regarde. Messieurs. Ouais, ouais quoi Respectez, s'il vous plaît, le code de la route, hein. Sinon, Bah, hein. Ouais, respectez les citoyens. Il faut que vous mettiez vos mains autour de la taille de votre collègue. Il a pas tort, vous avez vraiment une voix de merde derrière. Qu'est-ce qu'il veut, l'autre? Oui. Un stagiaire. Oui, je sais. Oui. Oui, je sais. Oui, n'en rajoutez pas, sinon je vais descendre, taper un coup dans votre scooter et faire preuve de vraiment beaucoup de testostérone. Mais... Ouais, c'est ça. J'aimerais pas, c'est pas parce que vous êtes un cadre que vous pouvez tout faire, hein, monsieur. Vous en êtes sûr? Bah, à ce moment-là, nous, on ira en parler avec des vrais keufs. Hein oh putain, mais... Oh là, mais quel vrai keuf? Remontez le stagiaire. Ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour une interpellation, s'il vous plaît, ici. Monsieur, on vous laisse quelques parking secondes pour central. Les guépires, sinon... Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on leur parle, c'est con. on arrive. Voilà que je vous dis. Je suis en course-poursuite. Nous sommes actuellement en train de courser une voiture de sport à deux roues. Arrêtée au feu près du parking central. Délit de fuite. Gens extrêmement malveillants et ayant apparemment une arme contendante à la main. T'as vu, pour... Putain, mais nous sommes toujours au niveau du parking central. Bon, totalement bourré, c'est un putain ils tournent en rond. Je répète, ils tournent en rond. Ils viennent de s'arrêter, nous insultent et nous font des doigts d'honneur. J'ai une idée pour mon prochain son. Nous avons besoin d'une arrestation au plus vite. J'ai une idée pour mon prochain son. Apparemment, ce sont des rappeurs. Intro, je fais... Ça commence par... Vas-y, dis-moi. Nique tous les keufs. C'est vous avec le SUV? J'encule le commandant. Moi j'ai les paroles aussi. Je suis ok, c'est eux en scooter. Interpellation s'il vous plaît. J'adore mettre ma bite dans des suppositoires et dans des pots d'échappement. Wesh ma gueule. Oh là là. Bonjour. Tu es pour un casseau, c'est je vous laisse les ramener à la 99e et nettoyer les cellules, merci. Yo, Ziva, wesh like, mec. Ah oui, vous trouvez? Oui, non. Vous êtes un peu emballé, j'ai non toujours, j'ai toujours et un style un peu old school. Ah oui? J'y vais, yo, tu viens de quel Tierkar, Tierkar. Tierkar. Ah non, c'est le terre-terre. Me prends pas pour un bourgeois. Un joint bourg. Yo, les bobos, yo. Bonjour, yo, mes chou à la crème. Comment allez, mes petits chou à la crème? Ouais, bonsoir. Vous n'auriez pas vu passer un cochon ou quelque chose comme ça dans une voiture de police? Si. Non. Alors les jeunes, ça va ou quoi? J'essaye de m'adapter avec vous. Ziva, yo les potes, wesh ma gueule. Salut. Vous avez vu une voiture de police de cochons, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, il y a des cochons dedans. Oui, c'est la jeune, la moula, tu m'as mis en rasera. Yo, voilà. Ouais, c'est un fou, Lina. Manquait plus que ça pour la fin. Ah, mais c'est pas lui qui a fracassé la gueule du gouverneur? Non, c'était son... Ah, on nous appelle... Vous êtes vraiment fait cette réputation, là? Non, ils m'ont assuré qu'ils n'avaient rien vu, donc... Ah bah, apparemment, ils en ont vu des choses, hein. Il en est où, le Rookmoot? Putain, quelle soirée de merde. Oui, je pense que je vais arrêter là, il faut déposer... Mais attendez, vous êtes en service depuis quand, vous? Ah oui, là, ça fait déjà quelques heures. Oui. Mais je vous ai pas vu de la soirée. Ça fait deux heures. Pour pourtant, vous demandez au stagiaire, il m'a accompagné, on a pas mal travaillé. Hein. Ah, mais vous étiez tous les deux. Oui. Vous savez que vous devez normalement avoir un sergent ou un lieutenant pour votre responsabilité. On m'a chapeauté, ne vous en faites pas, on m'a bien chapeauté. Ah oui, intéressant. Oui, le monsieur Roux et le monsieur qui parle avec. Qui dit souvent. Allez, décarpissez, c'est vraiment pas ma soirée. Merci. Oui. Bon, on y va. Bonne journée, bonne patrouille. Ils ont fait full roue libre à deux, c'est ces chiens. Ils ont fait full roue libre, c'est sûr. C'est sûr, ils ont fait que des conneries. C'est sûr qu'ils ont fait que des conneries, tous les deux. Est-ce que vous aviez récupéré les cassettes de la presse? Enfin, il y a eu des cassettes de la presse vis-à-vis de la danse des canards ou pas du tout?
Vous voulez vous tourner ici ou... Et c'est noté. En vue de l'état de la, la carrière, je dirais qu'il faisait souvent frotter la bavette. Oh. C'est ce genre de personne. Ah oui, oui, probablement. En dessinant un J, un U et un L avec ses doigts. Non, mais c'est pas Il devait être vêtu d'une casquette Lacoste, un t-shirt Von Dutch. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais, merci. Oui, 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 oui. Monsieur le commandant, vous pouvez me prendre en photo là. Pardon. Le commandant, c'est moi qui ai passé l'appel. Ah, du coup, vous avez vu des trucs en particulier, non, monsieur? Oui, on a vu le scooter qui a explosé et après le tout-terrain qui a explosé. Ah, d'accord, donc ça vient. Et qui l'a fait exploser, monsieur? On n'en sait rien, on était dehors, on était un peu plus loin, on était au coin de la rue. Ah oui. Par contre, c'est au bras. En gros, c'est explosé, mais on sait pas qui l'a fait exploser, quoi. Bah oui, ça fait une heure que ce scooter est resté en scooter. Il y a personne de carbonisé dans la bagnole. Bah, il semblerait que non. Heureusement, même. Ah ouais. Bon, après, mauvais individu en moins, c'est la sélection naturelle, hein, j'ai envie de dire. Toujours mal. Ouais, ça sûr, mais il semblerait pas qu'il y ait d'individu en moins. On nous a dit qu'il était parti en courant. C'est agréable, mais. Pardon, pas de soucis. Eh bah, c'est Il y a Dave qui dit que c'est possible que ce soit mon canon, mais bon, il y avait les alertes à la bombe, il y a eu la vignoble, il est là aussi. Moi, je pense pas. Je vais faire l'essai avec ce putain de canon là. Vous savez quoi? On va aller faire l'essai pour voir quand même. Est-ce que bordel de merde, on peut faire péter un truc avec un canon à eau? J'ai jamais vu ça. Non, tout va bien. Est-ce qu'on a un dépanneur qui pourrait venir enlever tout ça? Oui, la plante verte. Oui. Il y avait les dépanneurs, ils sont partis. Toutes mes condoléances pour elle d'ailleurs. Merci. Il veut l'enterrer comme il se doit. C'est quoi ce délire où c'est qu'on doit aller à contre-sens ce matin? Ah, bah écoutez, chez le gouverneur, hein, mais je suis comme vous, hein. Non, ça tient plus, ça, je crois, pour le double sens. Ah, si, il s'est fait matraquer. Ah bon? Mais non, il a eu un accident de voiture. Ah, mais le gouverneur, il s'est pas fait matraquer. C'est la portière qui l'a agressé. C'était sur cette demande. Charles, c'était un accident de voiture en état d'hybridité. Non, d'accord. Mais c'était un accident de portière, soyons précis, on était là. Bon. Donc, vous avez des choses pour les gens qui bombardent ici quand ils arrivent à la licorne. Ah oui, donc, oui, c'est le principal problème. Ah, la Porsche, elle a rien eu. Ah bah dans ce cas-là, Bob, il aurait explosé depuis longtemps, monsieur. Et moi, il craint que nos voitures elles se fassent défoncer. Ouais, Oh, il est ralenti, je vais faire de l'argent. Bon, sachez, monsieur les agents, que depuis que vous êtes là, je me sens vraiment plus en sécurité. Bon, je suis pas. Monsieur l'agent, vous voulez un donut? Oui, monsieur Berne, vous allez bien. Ah, bah, je suis pas non contre un donut, ça. Je vais vous en chercher un, je vous ramène ça. Moi, c'est gentil. Ça va, monsieur, le donut. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Oh, c'est super gentil, madame Bello. Ouais, je repêcherai de toute façon. Je vais refaire des coups. Vous aider, monsieur. Ouais, je prends juste un donut dans la boîte et je le ramène à votre collègue. Les boissons sont pas aimées, il faut tester, vous avez bien raison. Ouais, juste un produit. J'ai jamais compris que tu te casses. Tenez, surtout la bielle, on sait jamais. Tenez, monsieur l'agent. Moi, j'ai goûté pour voir si c'était pas en place. Ouais, tu le manges, il est pas moqué de moi. Non, il y a ce safe. Bon, allez. Est-ce que quelqu'un a appelé les dépanneurs? On va faire là. Eh ben la baie. Ça va, moi je troll les gars. Oui, je me suis renseigné là. On a croisé deux personnes, comment dire, de la sécurité là. Qui fait la sécurité du conseil arrière. Ils sont derrière là. Attends. S'il vous plaît, Mouflard, on y va. Oui, je sais pas. Là, j'ai pas trop de temps, mon capitaine. C'est pas le moment de rester ici. Brandon. Bon, messieurs, qu'est-ce qui se passe, Mouflard? Il va me faire un câlin. Ah merde. Oui. Ah,
torse nu de toi. Oui. Oh. Oui, mais il m'a déjà eu une fois. Ah. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai cru que c'était un chien, mais non. Un chien. Ah, les... Oui. Ah, d'accord, oui, des chiens, oui. 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 Ah, il chantait pareil. Il chantait pareil. Il faisait wouh. Non, il parlait. L'odeur était la même. Il chantait, quoi. Ah. Vous êtes dur à suivre parfois, Mouflin. Bah, je suis désolé, mon maréchal lieutenant-colonel. Oui. Maréchal-colonel, oui. Oui, après, j'ai plus de superlatif. Ah, d'accord. Il y a rien d'autre ? Bah, je sais plus. Général. Fureur ? Ouais, non, ça c'est pas. Ouais. Bah, si, chez Fritz, oui. Fritz ? Oui. Oui. Lieutenant Fritz. Qui d'ailleurs, par rapport à l'histoire, que veut dire Fureur ? C'est pas un petit animal, ça, avec des poils. Non, mais est-ce que c'est un lien forcément relié à l'histoire de cette personne? Non. Ou est-ce non. que c'est une dénomination allemande qui a une signification? Oui. D'accord, ça veut dire quoi, vous savez? Non, j'ai fait espagnol en deuxième langue. Alors pourquoi vous me dites oui? Mais parce que ça, je le sais. Et là, on avait de la famille qui travaillait un peu pour les Allemands dans le péché. Ah bon? Oui. Dans quelle époque? Oh, je sais plus, moi. J'étais ma grand-père et le père de ma grand-père. Ah oui? Oui. Des gens bien? Oui, des gens bien, ils travaillaient pour les chefs. Ah, des cheminots? Oui, des cheminots, ouais. Parfait. Étonnant. Il y avait déjà Oui, non, c'était... Ils étaient placheurs dans les wagons. Ah oui? Oui, pour les Allemands. Ah. Ah, ils plâchaient les Allemands, ils amenaient des clients. Oui. Et puis ils les plâchaient dans les wagons. Ah oui? Avec des fourches, ouais. Avec des fourches? Ah bah oui, parce que la plupart, ils n'étaient plus debout. Pourquoi ils n'étaient plus... Ah, ils étaient alcoolisés? Ah, je sais pas, mais ils étaient tout maigres, ils marchaient pas, je sais pas quoi. Ok. Bon... Ah, non, remontez, Mouflard, vous savez quoi? Remontez. Ah, ouais, on s'en bat les couilles, les gars. Vous vous excitez pour rien, en plus, tous. Hein. Barre d'état la caisse, car ce genre de poursuite, c'est un souci sur tous les cerveaux. Bah, je sais pas, moi, je me prends plein de trucs, je peux vous dire, souci de cerveau ou pas, justement, je m'arrête, en fait, pour faire une scène avec les gens. C'est le but de faire une scène. Pas besoin de barre, en fait, quand ça s'appelle fair play. Voilà. Une Stephen Hawking, c'est... Je sais même plus une Stephen Hawking. D'accord. Merde, c'est quoi une Stephen Hawking? Je sais plus. On l'a pas rentré. D'accord. Très bien. Oui, c'est simple. Après, si vous voulez, je peux lui laisser son numéro, mais... Ouais, c'est pas construit, mais de toute façon, dans l'illégal, les gars, c'est ce qu'on reproche à GTA. C'est vraiment une je parle pas de Bob, je parle en général. Pourquoi on ne fait jamais d'illégal, nous, dans notre groupe, ou qu'on le fait très peu? Il y a juste une raison, hein. Elle est très très simple. Elle est très très simple, la raison. C'est que personne ne sait construire d'histoire. C'est-à-dire que dès que tu vas vouloir faire une histoire, c'est action-réaction. 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 Tout va se passer en 48 heures. Tu ne peux pas construire d'histoire sur GTA. Je n'ai jamais vu d'histoire construite sur GTA depuis qu'on y joue. Voilà. Je n'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Jamais encore vu. La seule qu'on a construite, et comme quoi, et pourtant on n'en s'entend pas toujours bien, c'est avec Calavera, avec les Juifs, sur Ad Astra, pendant un mois. On a construit des petites embrouilles, des petits trucs, etc. Et pourquoi? Bah parce qu'on avait des groupes terreaux ensemble sur Arma. Et du coup, on jouait avec des petites escalades, des petites intrigues, etc. Et là, je vous donne le cas Anatolie qu'on a eu, ou des trucs comme ça. Mais... Ouais, elle est un avion de Vikash un peu. On est ban de son stream. Ouais, la ferme aussi, Babouche. Mais tu vois les intrigues qu'on mettait ensemble, tu vois, même si ça dégénère un peu à la fin. Mais on s'est mis des quenelles, tu vois, pendant longtemps. Et tu vois bien que je te laissais me mettre des quenelles, etc. Il y avait pas de. Et pourtant, on était la toute puissance. Mais tu faisais un peu ce que tu voulais, on est d'accord. Ouais, mais il y avait pas moins illégal que le doyen. Donc, c'est pas un bon exemple. Et là, voilà, c'est le truc qui me dérange un peu, moi. C'est que j'ai l'impression que les mecs, ils veulent tout avoir. Hein. Ça parle de braquage de supérette, on peut pas RP parce qu'on a pas de dev. Bon, ça, on l'avait déjà un peu sur Arma, même si un peu moins, quand même. Gringos, ouais, mais Gringos dans l'illégal, c'est aussi un petit... Il a pas fait beaucoup, Ajax, donc à voir. Tu vois, mais oui, après, oui.
Il n'y a que juste deux trous pour regarder l'action, ouais, j'avoue, oui. Je vais sur des serres où il y avait beaucoup d'économies légales, et au final, c'était vraiment l'économie qui créait tout. Ouais, après, les gens ont besoin de... Ouais, oui. Je sais pas, nous, on s'en battait les couilles, vraiment, de l'argent. Hein. Dans tous mes groupes, on s'en... illégaux, on s'en est toujours battu les couilles, quoi, pour le coup. Ouais. Vraiment, c'est pas ce qui est censé motiver le groupe illégal. Ouais, c'est un... je pense qu'il est plus civil, moi, Gringos. Ouais, je pense aussi. Mais voilà, nos dramas, c'est juste que je pense pas qu'on va pouvoir construire des histoires. Je le sens pas, je pense que ça manque de groupe terreau. Je pense que comme d'habitude, dès que tu dis... C'est marrant parce que c'est ce qu'on avait sur Ad Astra. Quand on voyait qu'il y avait... je crois qu'à une époque, il y avait 15 groupes et il se passait rien sur le serve. Et on disait au groupe, ouais bah, vous foutez quoi? Au moment où tu leur disais ça, que tu faisais une réunion en disant « Mais attention, le but c'est que vous fassiez des trucs tranquillement, tranquille. Voilà, c'est juste que vous mettez en place quelques actions, apprenez. » Le lendemain, vous pouviez être sûr, certain, que c'était la guerre nucléaire sur le serveur. À chaque fois, après une réunion. Parce que les mecs étaient, ils compensaient tout ce qu'ils avaient pas fait pendant un mois en une soirée. Tout le temps. Tout le temps. Une vraie intrigue entre les chimpanzés et les Ouistiti. Ouais, bah true story. Mais là, c'est pareil, Babouche, en fait. C'est juste qu'on s'est plaint et du coup, bah, ils ont été dans la démesure. C'est dommage. Après c'est pas grave, voilà, si eux ils se sont amusés déjà c'est cool, j'ai envie de vous dire, bon, on aura fait les GM, espérons juste que le vent tourne. Mais ça après, les modifier les défauts de tout le monde et que les scènes se passent mieux. Mais rien ne se passera mieux à l'avenir, oui. Je pense qu'il y a le plateau n'est pas fait pour ça, pas fait pour ce que nous on voudrait. Nous, je parle moi, mes joueurs, etc. Ça sera... Arma 4 j'aimerais bien, ouais. Après y croire, on fera peut-être plus de RP, voilà. Là on est déjà un peu en bout de course hein, du RP. Hein. Des jours avec et des jours sans, ouais voilà. Pas quelqu'un sur le serveur avec l'esprit fertile qui pourrait de temps en temps construire une bride d'histoire pour des gens lui donnant un point de départ. Bah tu joues après pour les gens, Yumeron c'est compliqué. Arma 4, non, selon Beskunk c'est annoncé, mais ça veut pas dire que... Voilà, ça veut pas dire que c'est annoncé, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon. On verra, c'est con parce qu'on a un bon groupe, j'aimerais bien qu'ils mettent en place ces intrigues. On va voir, il est censé avoir une réunion illégale, je sais pas, Pantouf, quand est-ce qu'il veut la faire, des groupes, etc. Moi, je pense pas que l'illégal doit être détenu, je pense pas que ce soit capable de faire bouger les choses en essayant de faire bouger les choses maladroitement parce que Bob est quelqu'un de maladroit et qui s'enflamme comme un garçon de 14 ans dès qu'il y a une action. Malheureusement, c'est comme ça, Bob, hein, il est comme ça. Donc il faut pas qu'il soit dans l'excès, sinon bah malheureusement on aura toujours des trucs où ça va être un peu comme ça, parce qu'il sait pas se maîtriser, on le sait, c'est comme ça, voilà. Et t'as des gens quand même BAP ou d'autres qui essayent en vain. Ouais, un peu Babouche. Mais est-ce qu'on est trop vieille école, un peu OK Boomer comme ils disent? Il y a des super modes pour le live maintenant. Je sais, mais Arma 3 on a essayé. Tu me diras, il y avait 80 joueurs, il y en a que 32 plus ici sur ce serveur, hein. Il n'y a pas une grosse diff et la carte de Arma est beaucoup plus simple. Un Dark qui a prévu genre un modo qui script un peu. Non, surtout pas de script. Vous voyez là, c'est pareil, il y avait Choupa, il me dirait ça serait bien qu'on mette des actions pour la police, etc. Je lui fais, il n'y a pas pire que faire des trucs scriptés ou de me dire on va faire ci, on va faire ça. On va prendre aucun plaisir à jouer. C'est pas la solution, c'est aux gens de l'illégal de faire quelque chose. Oui, il est sur le Discord, Indra, l'esquive de Vikash. Donc... C'est pas très respectueux pour les boîtes, ça. Eh, pauvre palette. Bah oui. Monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Vous avez au loin, on peut vous aider. Bon, on fait une petite pause, oui, pourquoi? Ok, mais pourquoi vous prenez pas une petite bière au Yellow juste en face? Ah, bon, on va y aller, vous inquiétez pas. Ah. On est en train de discuter à faire. Ouais. Vous faites pas, ouais. On arrive. Donc là, okay. Là, comme ça, vous refaites un pliage sur la gauche. D'accord. Et là, comme ça, ça vous fait un signe. Ah oui. Voilà, c'est ça le nanogami, je sais pas quoi. Là. Ah, pour les gens qui n'ont pas de relations sexuelles avec d'autres personnes? Non, avec d'autres? Avec des personnes de petite taille, la nanogami. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Ah. Voilà, il appelle chaque copain. Bon, allez, allons-y, voilà. Tout le monde est arrivé. Allez, c'est parti, on tape, c'est parti, on encercle. Il y a une... Ils vont souvent derrière aussi. Bien, bonjour. Bonjour.
Une patrouille qui regarde derrière aussi, ils ont un parking. Allons-y, s'il vous plaît, messieurs, je vous prierai tous ceux qui sont à l'intérieur de sortir devant, s'il vous plaît. Nous allons procéder à un contrôle suite à plusieurs événements qui sont intervenus en ville ce soir. Messieurs, oui. Je viens de recevoir un appel super grave. Oui, concernant votre coiffeur. Il y a un enlèvement. Non, pas du tout. Vous pouvez venir m'aider. Michel Cooperfield, la star, juste après ça, oui, dans 5 minutes. Non, mais c'est urgent, monsieur. Oui, mais c'est urgent. Il y a ma cousine qui est entre la vie et la mort. On est sur. Bah, appelez un médecin. Oui, c'est vrai, je suis pas chirurgien. Hein. Non, mais c'est très grave. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes à l'intérieur, messieurs, dames? Bah oui, forcément. Je vous prie de tous les faire sortir, s'il vous plaît. Tout le monde se met devant, immédiatement. Suite à quelque chose que je vais expliquer une fois que tout le monde sera dehors, s'il vous plaît, procédez. Plus ça ira vite, plus vous pourrez. La raison est qu'il y a des attaques terroristes actuellement en ville. Nous recherchons plusieurs profils. Non, si vous inquiétez pas, ils ont tous été fouillés à l'entrée. C'est pas une question d'avoir. Nous recherchons quelqu'un. Je veux que tout le monde sorte. Merci. Vous recherchez qui, dites-moi. Je n'ai pas à vous le dire, vous n'êtes pas ma mère, que tout le monde sorte de ce putain de bar, bordel de couilles à chiottes. Je suis votre manager, quand même. Non, vous ne l'êtes plus, vous êtes viré. Allez, tout le monde sort, maintenant. Bah, votre concert est annulé. Oui, bah, justement, c'est pour ça, je ne voulais pas que ce soit vous qui l'organisiez, hier, c'était pathétique. Oui, du coup, nous sommes là, vous avez demandé de sortir. Parfait, que tous les autres sortent, s'il vous plaît. On a bien du monde à l'arrière, du bâtiment. On a du monde ou pas, des collègues. Oui, bonjour, c'est quoi ce soir? Ok, bien reçu. Non, pas le film. Il a pété la place, hein. On ne filme pas, merci. Bah, ça a pété la place, hein. Le capitaine. Ouais. On est ici, hein. Ah, bah, capitaine, réclame un mandat pour faire sortir les gens maintenant. Un mandat? Oui, tout à fait. D'accord, un mandat. Bon, bah, écoutez, il va être simple le mandat. On va sceller à l'intérieur, ils vont être bloqués dedans et ils se chieront dessus. Ouais, ça c'est. Ils sont tout à fait adéquates. Est-ce que monsieur est chez lui, hein, dit-il. C'est bon. Je vais aller vérifier. Le mandat a été signé par le gouverneur, ne vous inquiétez pas. Au lieu d'être enfermé ici, hein, ça vaut bien. Tiens, regardez qui c'est qui est là avec son petit pull orange. C'est pas lui qu'on recherche? Bien sûr que c'est lui. D'accord. Ah, moi je veux aucun problème. Oh là, monsieur. Allez, toi tu viens là, toi, avec ton petit pull orange, immédiatement. Sors de là. Qu'est-ce que vous voulez, mon fils? Vous l'interpellez immédiatement, lui. Mais si tu veux, je vous prierai de rester ici, de ne pas bouger. Mais calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Faut bouger pas, monsieur. Allez, les autres, vous sortez d'ici immédiatement. Mais qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Votre fils, il a interpellé pour le moment. Calme, s'il vous plaît. Vous verrez après. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé une voiture de police. Mon enfant, bah, arrêtez vos conneries, votre c'est pas enfant, possible. Oui. Alors, c'est pas un vol. C'est pas un vol. Ok, RAS. Oui, rien à foutre. Allez, vous me l'embarquez à la 99ème, s'il vous plaît, merci. Et moi, j'en ai rien à foutre d'avoir pris votre voiture parce que vous avez cassé notre 4x4. Il y a une prise d'otage grâce à lui. Comment ça, casser notre 4x4? Qu'est-ce que je comprends, même. Bon, il reste du monde à l'intérieur ou pas? Entre ça. Lieutenant, allez, mettre des coups d'extincteur à l'intérieur, s'il vous plaît. Très bien, je vais m'occuper des moustiques. Oui. Non mais je peux parler à mon fils quand même. Attention, c'est possible. Vous lui parlerez, oui monsieur, vous lui parlerez à la 99ème. Pour le moment nous devons l'embarquer dans la mesure où il a volé une voiture de police et que cette voiture a ensuite été donnée à un dangereux criminel pour enlever un policier. Quoi? Autant vous dire que ça va aller chercher loin, oui. Messieurs, vous restez par là s'il vous plaît, restez tous dessous. Mais qu'est-ce qu'il a à aller faire encore? C'est pas possible. Allez. Mon petit enfant, mon enfant d'amour. J'ai besoin d'aide là, on va juste contrôler les personnes qui sont là s'il vous plaît. Du cobu, les mouflards. Tu prends notre véhicule pour rentrer. Surveillez, je vais aller dedans pour faire sortir tout le monde, ouais. Merci. Arrêtez de re-rentrer s'il vous plaît quand on vous dit de sortir, merci. Tranquille, on attend le chef, tranquille. Bah et vous, chef? Il y a encore deux individus à l'intérieur. Allons tous dehors s'il vous plaît, messieurs dames. Allez, on va pas vous emmerder pendant 10 ans, le but c'est que ça aille vite, vous inquiétez pas, on cherche quelqu'un. Justement, il vient de contrôler, ça va. Faire du contrôle et puis ensuite, y a pas de soucis, vous pourrez chercher. Ah, excusez-moi, oui, bien sûr. Bon, très bien. Attends, je te paye la dépense. Messieurs, s'il vous plaît. Mouflard, s'il vous plaît, vous prenez l'identité de chaque personne. Messieurs, s'il vous plaît, retenez le temps. Le quoi? Mais après, vous fraîchez après, il n'y en a pas pour long. Allez, venez. Vous m'avez dit quoi, monsieur? Ah, rien. Allez, messieurs. Vous m'avez dit quoi? Allez. Rien. Allez. Vous m'avez rien dit, d'accord. Mais oui, bon. Mais c'est pour ça, mais oui, mais ça va aller vite. Je vais vous demander de vous aider. Ah, mais c'est vous, monsieur, avec la jolie voiture, putain. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ah, oui, bien sûr. Oui, j'ai mon picot, mais tout à l'heure. Fraîchez tout à l'heure. Oui, ça marche.
Bon, monsieur Domenech, il va falloir présenter vos papiers, que vous les ayez bien sur vous, s'il vous plaît. Oui, est-ce que je vais devoir vous fouiller, monsieur? Ah bon? Vous n'avez rien de spécial sur vous? Bah, juste mon outil de travail pour le jardinage. Est-ce que vous avez des objets contondants ou quelque chose sur vous, monsieur? Rien du tout, monsieur. Bah, sur les buissons, j'ai juste une petite machette sur moi. Ah, donc vous allez au bar avec votre machette, vous étiez en train de vous occuper de ça? Très bien. Très bien, impeccable. C'est bien, monsieur Doubelenes. Du coup, je vous invite à... Quelqu'un a quelque chose à déclarer en termes d'armes ou quelque chose? Oui, c'est bien. Qu'on aille plus vite? Monsieur, non, pas du tout. Je peux pas voir votre nom, votre... J'ai juste été gâté par la nature, perso, mais c'est pas une arme, quoi. Monsieur Vladimir Kazimovac. Et vous, monsieur? Monsieur, d'accord, est-ce que vous pouvez présenter une pièce d'identité? Oui, vous n'avez rien à déclarer? Ils vont contrôler tout le monde. Rien à déclarer, vraiment rien. Monsieur Zadia, c'est bon pour vous? Je vous fouille, rien du tout. Attendez, je cherche dans mon portefeuille. Oui, oui, allez, monsieur Zadia, c'est bon pour vous? J'ai un couteau, c'est pour couper le bœuf. Oui, c'est un couteau, ça va, il n'y a pas de soucis. Oui, c'est exactement ça. Okay, contrôlez-moi les gens sur les motos, là. Permettez que je vous fouille. Vous me les fouillez, d'accord? On ne saisit rien. Il y en a qui s'enfuient, là. Il y en a qui s'enfuient, là, non? Il est où, Mouflard? Ah, vous savez-il de faire... Hein? Ah, il est là, il est là, il est là. Ah, super. Allez, Mouflard, en route. Oh non, mais... Au revoir, monsieur Dub, attention. On avait pas tout à fait fini. Ah oui, mais les autres peuvent finir. Ouais, les collègues, vous finissez sur place, chez vous. J'ai déjà passé le message à la radio. Okay, pardon. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon courage, les collègues. Alors, du coup, on a retrouvé un individu, c'est ça? Oui, la personne qui a volé la voiture de police. Oh! Oui. C'est pas vrai! Et comment que c'est qui s'appelle? MacArthur? Oui, oui, c'est le petit enfant, là. En effet, on avait déjà eu des soucis avec lui. Malheureusement, il risque de prendre un petit peu de tarif, hein. Ouais, bah écoutez... En plus, moi, quand j'ai eu son papy, ou enfin, je sais pas si c'est de sa famille, mais je suis rentré en égo, hein, mon lieutenant capitaine général. Hein. Avec Alain Delon, c'est vrai? Ah oui, non, mais, je me suis cru pour Alain Delon, hein. Ah oui, pourquoi? Ah bah, quand il m'a envoyé boucher, vous pouvez aller vous... Ah oui, il est pas commode, lui, mais bon, allez-y un petit peu, parce que lui, il rentre en Alain Delon très rapidement. Ah d'accord, Oui, vous êtes sûr, c'est le... Oui, oui, moi, je l'appelais le doyen des MacArthur, mais je sais pas si c'est le bon terme. Bah non, je pense pas, hein. Non, je pense pas. Hein? Ouais, je vais modifier. Oui, quand même. Oui, j'aime mieux. Oui. Oh, comme il faut que j'écoute les gens quand vous mettez la sirène. Vous savez que plus vous restez calme, plus les gens rentrent en Alain Delon, quand même. Oui, oui, je sais bien. Oui. Je suis d'un calme exemplaire, ce soir. C'est vrai, vous êtes étonnamment calme et je vous sens pas. Putain de ta mère! Aïe! Allez. À ce qui paraît, de toute façon, ça roule longtemps, hein. Oh. Il en faut beaucoup plus, hein, non? Heureusement qu'on a les barres de sécurité quand même. Oui, c'est vrai, oui. Apparemment, il n'aurait pas vraiment donné la voiture depuis ses deals. Il n'aurait pas donné la voiture? Comment, j'ai rien compris, vous avez compris. Ce qu'il dit, il l'aurait abandonné au parking central. En fait, il dit qu'il l'a pas donné, qu'il l'a abandonné au parking central et que les autres, ils ont dû servir. Bon, merde, hein. Je suis allé trop loin ou pas, vous pensez? Moi, je crois qu'on sort pile sur le commissariat, là. Oui, là, c'est bien. À droite. Voilà, à gauche, et puis après, c'est bon. Ouais, c'est ça. Oui, 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 je viens de découvrir une route après avoir valnagué pendant plusieurs années ici, oui. Oui, oui, c'est vrai, oui. On en a pas tous les jours, hein. Oui, c'est vrai, hein. Mais c'est vrai que vous êtes d'un calme, oui. Vous êtes ressourcé, peut-être. Vous avez fait un petit peu de séance de relaxation. J'ai fait du crack... Du crap... Du crap booking. Du crap blague... Du crap blague, hein. J'ai fait du sport sensationnel, oui. Oui. Du blabla car. Oui, voilà, je me suis fait pomper par Jean-Francis, oui. 58 ans, dans sa Punto. C'était un vrai bonheur, et j'ai payé 5 euros, en tout cas, pour le trajet. Ouais.
Ouais. Et je peux vous dire que j'étais heureux qu'il me laisse passer les vitesses. Excusez-moi, petite crise. Allez, venez, on va aller au sous-sol. Vous marchez vite quand même, ou c'est moi qui marche lentement? Attendez, je regarde. Non, non, c'est vous qui marchez lentement, parce que moi, je suis pas très rapide, hein, quand même. Ouais. Je suis encore moins rapide que vous qui êtes pas rapide. Ça voudrait dire que vous êtes plus lent que lent? Oui, je crois, ouais. Ah merde. Attendez, ça veut dire que vous êtes comme la lessive qui lave plus blanc que blanc, blanc et du coup, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle lessive, ils admettent eux-mêmes que l'ancienne était merdique? Oui, c'est ça, appelez-moi Ariel. Oui, c'est ça. Ils sont à la cafette? Oui, j'ai l'impression. La dernière fois, ma tata s'est fait prendre un message et vous étiez pas venu. Du coup, je me suis dit, je vais jamais confirmer. Et puis finalement, je suis sûr que vous avez... Merci, Bouflard. J'aurais pu le confirmer. Regardez, regardez. Là, vous me donnez la confirmation. Hop là. Allez-y. Confirmation, là. Regardez. Hop là. Et moi, regardez, je peux confirmer au bout de un tiers de seconde derrière. Ouais, double confirmation, il y a un troisième, on est sur de la triple confirmation, là. Incroyable, incroyable, hein. Parce que là, vous les avez clairement décollés. Oh, c'est un de merde. Nya, nya, nya. Bon. Ah, oh. Mais j'ai... Voilà, trois tirages d'oreilles. Dans quelle matière? Tu vas répondre? Il fait vachement peur, lui, quand il crie. Oui, c'est normal, oui. Il vient de Picardie. Mais je sais pas, du coup, vous voulez qu'on parle en privé? Allez-y si vous voulez, mais comme je vous ai dit, il a déjà subi trois tirages d'oreilles, je pense qu'il a eu son compte. Quatre non, excusez-moi. Nicobu, venez voir. Merci Resbard, portez-moi. Merci beaucoup. Dites-moi. Non, par contre, moi, les vols de voitures de police ou qu'on cherche pendant toute une soirée et tout, on va mettre plus cher, hein, vraiment. D'accord. Faut que ça soit un exemple, sinon on va se manger ça tous les soirs, en fait, Nicobu. Oui, c'est sûr. Donc il faut taper un peu plus fort, qu'il ait pas envie de recommencer. Oui. Parce que je pense qu'on a autre chose à foutre. Très bien, très bien. Donc, vous vouliez faire quoi avec sa famille? Bah, apparemment, il y a des agents qui recherchent certains membres de sa famille, donc on leur a dit de venir le chercher pour s'expliquer avec eux. Il y a des agents qui cherchent... Ah oui, pourquoi on cherche certains membres de sa famille? On les avait au Jack sous la main? Attendez... Les licouplouf, ouais, vous pensez, ouais. Un JL? Tu vois un JL? Bah c'est Mouflard qui recherche MacArthur. MacArthur, la radio, s'il vous plaît. Pourquoi? Bah parce que ça serait lui qui avait... qui aurait pris en otage, là. Faut lui demander, hein. Quoi? Ouais. Mais je le cherche pas, c'est le commandant qui cherchait MacArthur. Parce que tout à l'heure, le commandant, il a dit le véhicule, il a été volé par un certain MacArthur. Donc tout à l'heure, on cherchait un MacArthur. Parce que je sais qu'on en avait croisé un. Voilà. Et c'est tout. Rabot, fais un petit saut de cavalerie, s'il te plaît. C'est le seul truc, hein. C'est ça. Et après, MacArthur, moi, je l'ai appelé son papy, visiblement. Et puis c'est tout, hein, parce que voilà, c'est tout. Pour savoir où est-ce qu'était éventuellement le voleur de voiture de le police. Bah, c'était sur les ordres du commandant capitaine chef maréchal. Hein. Oui, c'est, on l'a attrapé, le fameux, c'est l'orange. Oui. Mais oui, mais j'ai bien compris. Pourquoi Non, mais moi, on me dit qu'apparemment, un certain John, du même nom que ce Boris, là, donc je sais pas, c'est le Mac, mes couilles, voilà, il est recherché. C'est qui ce John? C'est le grand-père. Mais pour qui c'est qui vous dit ça? Mais c'est, lui qui l'a dit que c'était sa grand-père. Non. Bon, on reprend depuis le début. Allez. Bon, attendez. On va tout récapituler. C'est quoi, Benjamin, un peu comme eux? Bah ouais, parce que les infos, elles vont trop vite. J'étais avec Burn et Howard. On a fait l'interrogatoire. Qui c'est qui lui a dit, ben va chercher ta famille, on a besoin de leur parler? C'est moi. C'est toi? Ouais, c'est raison, du coup. Et sinon, il y a le monsieur de la mairie du Nord. Putain, avec mais Coco. C'est pas possible. Bon, pire, tu leur diras juste c'est bon, on vous rend le gamin et voilà. Mais non, on lui rend pas le gamin, il a pas une putain de voiture de police, vous voulez que ça arrive tous les soirs? Non, mais excusez-moi, mais je suis. Putain de merde. Oui, du coup, vous voulez faire une prime d'exemple, une avancée, messieurs dames? Mais qu'est-ce qu'il fait derrière nous, lui? Retourne là-bas. Putain. Mais Boris, viens voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, il a compris le plan. Bon, moi j'ai déjà bien décollé les oreilles, mon capitaine. Hein. J'ai tiré fort. Hein.
Oh putain, vous êtes bon, chiant, coup, mais vous êtes bah, chiant, sinon, hein. Heureusement que je suis gentil ce soir, hein. D'accord. Vraiment, hein. Bon, du coup, on part sur quoi pour ce monsieur? Je vais regarder sur l'ordinateur s'il y a un truc. Parce que bon, vous savez, nous, les amendes, hein, au-delà de 5 dollars, on ne sait pas comment faire. Hein. Il y a trop de chiffres. Ça m'étonnerait, Bouflard, vraiment, hein. Oui, bah les amendes, ça me fait chier, mais trouver un truc mieux, putain. Oui, mais oui, le TIG, mais bon, c'est pareil, vu qu'il n'y a personne qui nous aime, le TIG, c'est dur de les faire. Bah si, on va être obligé, ils vont être obligés de le faire. Bon, bah moi j'ai une idée, mon capitaine. Oui, dites-moi. On le garde ici. Non, pas de porno infantile, Burn, ça suffit les conneries. Non, on le garde pour faire le bar. Oh non, non, j'ai pas envie de l'avoir ici. Non. Non, mais. Bah, pourtant, il avait l'air de le sentir. Comment? On le met en stage avec Mouflard. Ah, je crois qu'il vient de dire qu'il avait déjà envie de mourir, donc ça va pas l'aider, ça. Bon. Mais pour le coup, au bar, hein, pour le coup, au bar, il a l'air de vachement s'entendre avec la secrétaire, déjà, donc... ouais. Je sais pas. Mouflard! Mouflard! Oui, capitaine, comment... Ouais, vous avez une idée de qu'est-ce qu'on peut lui mettre pour qu'il prenne cher ou pas? Pas la chanteuse, hein. Ça, ce serait une belle punition, mais quand même. Oui. Je lui souhaite pas, je souhaite ça à personne. Vous voulez un truc bête et méchant ou un truc un peu plus édulcoré? Un peu des deux, oui. Ah merde. Dans quoi qu'il travaille de ma carture que caché? Il travaille pas, ils sont au chômage, il a dit. Oui, il touche les aides de l'État. Oh, les allocs, j'ai une idée. Ouais. Ça va être l'une des putes du gouvernement. Vous savez, il aime bien le gouverneur avoir deux, trois puputes, là. Ah oui, ça c'est bien. Okay, oui. Ouais, mais lui... il est pas mineur, lui. Ouais. Ah bah lui, du coup, c'est lui qui a volé. Hein. Il est majeur. On s'en fiche, peut-être que le gouverneur, ça lui fera encore plus plaisir. Oui, je sais pas, faut que je lui rappelle, peut-être qu'il va enchanter une autre, ouais. Ouais. La bonne nouvelle pupitre du gouverneur. Quelqu'un... Oui. Quelqu'un numéro du gouverneur? Absolument pas. Ah bah moi j'en ai. Ah bah super, bien, appelez-le, vas-y, dites-moi s'il répond. Ah bah tu vas le donner aussi. Ouais, ouais, je vais le noter, celui-là, je crois que c'est important. Parce que tout à l'heure, il va me dire qu'il se souvient pourquoi qu'il voulait parler à ma carte. Ça peut servir. C'est 6802, hein. Moi j'en peux plus. 6802? Ouais. Fais tirer une balle, grenade. Non, ah bah c'est super, on a le numéro du gouverneur maintenant. Ah super, ah bah voilà, on a avancé dans l'enquête quand même, hein. Oui, oui. Ah la cotaine, ça. Oh putain. Bon, moi, une voiture dans le garage. On a une super... En tout cas, Boris, je voulais te remercier parce que grâce à toi, on a réussi à avoir le numéro du gouverneur. Oui. Boris, on a une super nouvelle pour toi. Ah, vous avez enfin ma PlayStation? Non, non, déjà, celle-là, tu peux t'asseoir dessus et t'en faire un anus rectangulaire. Non, non, c'est une autre nouvelle qui est super bonne. Déjà, tu vas devoir pour les dégâts causés, 10 000 dollars à l'Ali Speedy. Tu auras exactement 15 jours pour les payer. Oui, on ne vole pas une voiture de police. Deuxièmement, tu vas faire un stage avec le gouverneur. Ah non, 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 tout à l'heure il m'a fait un dos d'honneur, il m'a dit juste oui, mon doigt, tu vas être à sa merci demain soir, je laisserai. Ah, du coup, maintenant tu vas devoir sucer son... Attendez, quoi? Répétez, je vais être à sa... À sa merci, oui, demain soir, oui. Oh oui, vendu. Il répond pas, hein. Vendu, carrément. Et capitaine, commandant, si je me permets, mettons. Ah oui, non, mais ça, c'est une super idée, parfait. Pourquoi? Oh oui, merci, non, mais merci. Bah pourquoi t'es content? Pourquoi t'es content? Depuis, vous êtes un génie, Oh, pourquoi vous êtes content? Il comprend pas les plans, et puis oh ouais, non, mais ça me regarde. Merci beaucoup. Ils veulent enlever le gouverneur, mettez-le en prison, s'il vous plaît. Oui. Non, non. Attrapez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, allô, tata. Oui. Vous avez servi d'un GSM au moins, Mouflard? Attends. Ah non, là vous étiez sur le Tetris, là, Mouflard, ça ne marche pas pour téléphone. Je crois que j'étais la dame, elle m'a dit, on va pas, sachez qu'on va pas en rester là, vous vous fichez de moi, elle m'a dit. Attendez, oui. La dame qui était en bas avec les cheveux rouges? Oui, apparemment, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'avocat dans la salle d'interrogatoire. Vous voulez elle a continué là-dessus? Je proposer le numéro du procureur et puis je donne celui d'un collègue. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez, on y va. Et je suis parti. Oui, en fait, Bouflard, il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé croyant que t'étais mon ex-femme? Attends, je rappelle. J'avoue que l'avocat, je ne m'y attendais pas, quand même. Sympa. C'est très fort. Il y a une vis dans la procédure. Oui, bonsoir, c'est le sergent Bouflard. Vous avez... Ferme ta gueule, babouche. Tout à l'heure, mais c'est raccroché. Tais-toi, babouche. Tais-toi. Ah, vous allez pas me faire une causa, hein, oui, mais là, avec les mouflards stream. Fois, monsieur Simon du Garage du Nord m'a demandé de lui partager le numéro de mon ex-femme, je vais donner celui de mouflard. Bon, écoutez, vous voulez pas le numéro d'un procureur, du coup?
C'est normal qu'il pleut. Très bien. Allez, bah, c'est parfait. Oh, c'est une fuite. Oui, 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 il y a des fuites avec les heures. C'est une fuite. On va mettre ailleurs, hein, parce que. Eh ben, dis donc. C'est la douche du deuxième, troisième étage. Ici. C'est dangereux, ça. Bah, je pense que là, on était en pleine ligne de long, là. Oui, sûrement. Ah ouais, impeccable. Alors moi, je dois avouer, je l'ai frôlé un peu ce soir. Elle n'a pas, pas voulu lui, ah, lui procurer. Non, elle n'a pas voulu, non, parce que... Non. Elle pense que vous êtes moqué d'elle. Comment ça... Oh, elle va porter plainte. Oui. Ah, mais il y a encore une demoiselle à aller secourir en bas. Elle va aller voir monsieur le gouverneur qui va tondre sa pute demain. Ah ouais. Non, non, mais ouais, c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est important, les procureurs, encore les avocats. Bah ouais, elle m'a dit, donne-moi le numéro d'un avocat, je vais donner automatiquement ton numéro direct. Tu sais qu'à un moment donné, bon, bah là je suis calme, je suis gentil, mais à un moment donné, je vais m'énerver quand même, tu sais. De quoi ? Si, deux, trois jours. Bah, tu sais. Non, mais si, putain, d'ailleurs, on n'a pas organisé ça, elle a raison, la dame. Pour amener, faut... Je vais m'énerver parce que je vais pas être content, parce qu'il suffit d'un soir. Et à part ça, mon commandant. Oui. Cette personne souhaiterait être recrutée. Je lui ai dit que ce serait disponible dans à peu près 2-3 jours. C'est bien ça. On fera ça si je dis pas de bêtises. Ah non, ça va être compliqué. Bah, du coup, je pense qu'on va faire ça. On est quel jour demain ? Vendredi ? Oui. Il y avait quelque chose de prévu, genre, je sais pas, des. Genre un concert d'une star internationale. Non, il est annulé. J'ai arrêté. Ah, d'accord, très bien. D'accord. Mouflard ! Oui, présent. Oui. Lequel, l'avocat ou le... ou le procureur, oui. Non, je sais pas, je vous entendais crier là-bas. Oui. Ça vous tente si on fait tous plutôt les recrutements de... Ouais, ça va faire l'edge. Samedi soir, c'est bien. Oh putain, ouais, ça, c'est nickel, je suis pas là. Ah ouais, non, il faut que Mouflard soit là pour les exercices physiques, il en a besoin. Bah, nous avons qu'à dire dimanche. Non, dimanche, je peux pas. Dimanche, je suis pas là non plus. Bah, demain, demain soir. Hein. Demain, c'est quel jour ? C'est vendredi. Vendredi. Ah oui, oui, oui. Oui, je suis bien, vendredi. Oui, il faudra prévoir un petit peu de rhum. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est quoi votre cursus, madame ? Bah écoutez, j'étais à Los Angeles, en tant que officière. Vous savez où vous mettez 3. Les pieds ? Vous êtes non. Sûr ? Nous ne sommes pas une brigade comme les autres, mademoiselle. Ah, ça, je le remarque, oui. Ça. Moi, je la prendrai direct. Spéciale, la 80. Arrête quoi ? Burn. Ne faites pas attention, Burn. Non, non, si faites attention à ce genre de remarque à la con, Burn, vous évitez, s'il vous plaît. Merci. Je sais pas, vous savez vraiment où vous mettez les pieds ou pas ? Non, je sais vraiment pas. Mais je suis intéressé. Comment vous expliquez Attendez, attendez. Ne faites pas de peur à ce je vais juste vous poser plusieurs questions. Qu'est-ce que vous faites lors d'une interpellation, par exemple ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Quelqu'un est devant vous, il commet un méfait. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes armé ? Cette personne n'est pas ça armée. Ça dépend. C'est... Bah, si cette personne n'est pas armée, je sors pas mon arme. Oui, par contre, si elle a l'air un peu folle, je sors mon taser. Mais en aucun cas une arme. Folle, un peu agitée. Et une fois que vous l'avez interpellée, vous faites quoi ? Ça dépend, bah, ça dépend ce qu'il a fait. Mais après, je pense à une fouille. Est-ce qu'on peut faire une mise en situation ou pas ? Qui... Oui, enfin ça, je vous vois venir, Mouflard. Vous voulez vous faire contrôler par une jeune demoiselle, non, c'est ça ? Non, non, pas du... Oh, non, bah, non, pas du... bah, non, vous savez bien que je préfère les chiens, les chiens. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Oui, allez-y, mise en situation, Mouflard. Ouais, donc vous êtes agent de... Ok, ok. Ouais. Bon, la grosse, là, tu te pousses un peu, là. Parce que j'aimerais bien m'asseoir. Et puis là, t'as gros cul, là, il me gêne, ok ? Allez, bouge! Bon, allez. Je vais pas vous mentir que je vais pas répondre à ces. Allez, dégage! Ces bêtises. Dégage non, de là, là! Qu'est-ce que tu veux, le flic, là? Allez, bouge! Qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux respirer mon air? Bon, monsieur, je vous laisse 3 secondes pour circuler, sinon je sors mon arme. Pas moi, non. Allez. Et un coup de taser, ça fait mal. Elle a dit le mot. Elle a dit ouais, le mot. Ouais, elle a dit le mot, ouais. Pire, viens voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Haute mise en situation, on va essayer. Le mot circulaire est rédhibitoire chez nous. Ah bon ? Ouais. Bon, on va dire que vous m'avez arrêté, ok ? Et puis que vous voulez me faire avouer un vol de voiture, ok ? C'est parti, je vous dirai rien ! Bah, monsieur, c'est simple en fait, je vous ai vu, on a des preuves, donc maintenant je vous laisse assumer. Par contre, elle a une sacrée voix. Je vous laisse assumer votre vol de véhicule, sinon ça va mal se passer. Ah ouais ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On va aller loin, ça va aller loin. Ah ouais, loin, 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 c'est où ? C'est à Paléto ?
C'est beaucoup trop compliqué en fait. Comment ça c'est compliqué? Tu tombes pas sur ce genre de personnes. Ah bah si, vous allez tomber que sur ça si. Je vous promets que là je suis gentil en plus. Oui, là il est très gentil en plus. Hein. Et ça c'est pas c'est ce que vous allez attention, subir. Attention, j'ai dit gentil. Hein. C'est ce que vous allez subir de nous aussi. Hein. Recule. Ah, de vous? Oui, enfin nous on aime bien aussi. Attendez, oui messieurs, je peux vous aider? Disons qu'on a des pratiques conventionnelles qui sont... venez avec moi par là. Si ça vous dérange pas d'attendre dehors parce qu'on est beaucoup et du coup il y a déjà beaucoup de bruit dans le hall. Ah oui, moi j'écoute, ça m'intéresse vraiment votre... Si ça vous dérange. Comment? Et si on parle pas? Non, je préférerais pas. C'est juste que... Attendez dehors, si c'est juste devant la porte. Juste que ça fasse ça avait l'air vachement intéressant. Oui, ça l'était. Tournage de film. C'est pas homologué, c'est novateur. Voilà. Et ah voilà. Bon ah oui, c'est des nouvelles techniques d'avertention. D'avertention. Je suis prête à apprendre. Ah oui. Ça va, Babouliner? Oui. Vous lancez dans l'inconnu, madame. Dans la... Vous savez qu'on les sort jamais. Oui, c'est vrai. Je passe sur vous, ouais. Pas grave, on va laisser là. Ouais, je vais aller fermer, sinon l'autre il va aller voler. Bien vu. Oui. Tout est ouvert et j'ai un ventilateur, donc ça va. Oh. Oh, les jolis, oh, dis donc. Et on a tout enlevé dessus, même la peinture, pour gagner en aérodynamisme. Oh, oh là là. Allez mon équipe, la montée. Alors là, franchement... Ça c'est des grandes voitures. Pourquoi il y a marqué Prolapsus dessus? Quelle classe? Parce qu'on s'est trompé de lettre, normalement c'était Pro Anus, mais ils sont gourés. Oh, quel mec incroyable. Ça va, c'est pas trop le bordel devant la 99ème. Non, c'est impeccable. Et, tout le monde a bien rangé son véhicule, ça fait plaisir. C'est aussi ça la marque de fabrique de notre brigade. Le respect de l'uniforme et l'organisation. La communication également est infaillible, on pourrait le dire. Je pense que c'est ce qui nous caractérise. Cher point fort. Oui. Gros mais point c'est incroyable les véhicules. J'ai jamais vu ça. Ultra léger. Oui, motorisé. Alors. C'est un ULM. Fabrication yougoslave. Oui, enfin le carton est 100% local. Hein. Oui. Dites, ça vous dérange pas si je remonte la couloir? Je suis un peu serré. Non, allez-y. Non, pas de soucis. Merci. Tu t'es encore mis sur le siège sur enfant? Ah, ouais. Il me semblait bien que t'étais bien grand. Oh, c'est la casquette, hein. Quelqu'un peut lire également les règles à notre jeune cadette? Ah, ils ont foutu la voiture là, d'accord. Ah bah bien sûr, hein. Allez. Alors, hein, rappelez-moi votre petit nom. Aida. Ah ouais? Alors Aida, hein. La pause café, hein. Obligatoire toutes les heures. Oui, café ou bière. Pause café toutes les heures? Oui, exactement. Café ou bière. Mais il est recommandé de boire des bières quand même, hein. Ouais. D'accord. Il est interdit de mentir à ses supérieurs concernant des faits ou des délits commis par des civils ou organisations criminelles. Compris? Oui. Dites-toi un oui à chaque fois, hein. J'aime bien, ça me confie. Oui, j'aime ou bien. Non. Hein. D'accord. Voilà. Vous pouvez dire non, chérie. Voilà. Chaque membre de la LSPD doit se faire carcériser pour éviter les infections une fois par mois. Oui. Une prise de sang pour contrôler que tout le monde prend bien son coup de rouge à midi sera effectuée chaque quinzaine. C'est oui. Bon et parce que le vin, c'est bon pour le chanter. Exactement. Oui, ça permet d'être efficace en intervention. Voilà. Lever du drapeau tous les soirs entre 21h et 21h30 sur l'hymne du grand, de l'immense, de l'incommensurable. Quoi parfait. Oui, bah ça c'est quand on a le temps, on l'a jamais eu encore. Oui, on l'a pas encore fait. Exactement. La garde à vue, c'est pour les faibles. Oui, c'est un aveu de faiblesse si vous mettez quelqu'un en garde à vue. Ah oui? Ah oui. Exactement. Les codes classiques sont prohibés. Oui, pas de 10, 24, 69, 2, les mathématiques islamiques, on s'en fout, hein. Exactement, hein. Les casques classiques sont prohibés, hein. D'accord. Aussi.
Ah bon? Pas dans Chips. Ah oui. Tenue... oui. Oui. Ah oui, hein. Peuvent être customisés à partir du grade de sergent. C'est-à-dire que vous avez le droit de mettre des Santiago en croco si vous avez envie. À partir de sergent, vous pouvez habiller comme vous le voulez. Exactement, tenue légère, ouais. Tenue de ski, ce que vous voulez. D'ailleurs, vous penserez bien à me donner les mensurations hein, pour les tenues. Ah, c'est vous qui vous occupez écoutez, de ça. J'ai trouvé parfaitement ma taille. D'accord, c'est du combien hein du 38. Ah ouais. Je note. Je note bien. Je crois qu'on a un peu fait le tour là, non? Il y avait d'autres trucs? Non, ici. Pas plus que ça. On peut aller à Pléto. Ah, bon, allez. Chez l'auto-école, et puis. Et puis les vendeurs de carrettes. Ouais. Et puis, ah oui, vous dire aussi, les vestiaires, ils sont mixtes. Hein. On lui fait passer le test de la marionnette? Pourquoi pas? Vous savez ce que c'est le test de la marionnette? Pas du tout. Bah, je vais dire à Mouflard d'aller parler à des gens. Vous allez être en radio avec lui et il va devoir répondre uniquement par ce que vous lui dites. Uniquement par ce que je lui dis? Oui. Ah, d'accord. Et il parle à un citoyen Non, une chef. Non, mais en mode normalement, normal ou pour l'arrêter ou pour le contrôler? J'essaie pour de. Ce que vous lui dites. Bah, réfléchissez, à moins qu'on. Il va pas forcément l'arrêter s'il a rien fait. Enfin... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, vous savez, notre but, c'est aussi de montrer qu'on est là. Appelle là, oh dire bonjour aux gens. Bon, bah là, on arrive toujours ici à faire de la criminalité, merde. Quelque chose d'exemplaire. Hein. Ce carrefour est incroyable. Hein. Bon, il touchait pas. Ça va, mon brave monsieur? Ah! C'est une femme. Ah, bah tiens. Ah. C'est pas plutôt là-bas, mon capitaine, là, du Darou. Comment? Elle était belle. Elle était. Véhicule qui nous est rentré dedans. Non, reste rien. Vous voyez, ça c'est. Je la connais, cette dame, c'est à force de fréquenter les mauvaises personnes, le karma a frappé. Merde, tu appelles les médecins ou pas? Capitaine, comment là vous appelez les médecins ou pas? Ah non, c'est fatigant, je vous laisse vous en charger. Je ne comprends pas, le carton de la voiture n'a pas absorbé le choc? Faut qu'on vous trouve un cad. Je vous ai trouvé un surnom, Cadette Larousseau. Cadette Larousseau, vous savez de la radio? Non. Ouais, mais non, ça va être compliqué là. Est-ce que quelqu'un peut appeler les médecins déjà? Alors, il faudra appeler les médecins parce qu'il a dit. Je crois que ça voulait dire s'il vous plaît. Vous restez près des victimes, Cadette, une des victimes, et vous lui parlez, hein. Vous lui parlez, oui, vous oui. Essayez de voir. Voilà, et vous lui parlez, vous essayez de voir un petit peu si vous. Oh là là, la peau va se faire rouler dessus. Oui, bien sûr. Il est là-bas, hein. Madame, vous me recevez? Serrez les doigts si vous m'entendez. Vous pouvez vérifier votre Bluetooth, s'il vous plaît? Oui. Mon Bluetooth? Oui, le Bluetooth, oui. Aïe, aïe, aïe. Qui m'a dit ça? Moi, dessous les gens, mais les gens me disent ça. Alors... Oui, ils sont nombreux. Hein. Yeah. Vous savez pas de Manta, il est où la foca? C'est ça. Je voudrais voir le procureur. Ah, ça c'est le plus drôle, je crois. Vous savez pas réciter les trois, y'a... Ah, ça par contre, si vous les récitez, hein, quand vous faites ça. Les droits mimosa, ouais. Oui, les droits mimosa, c'est la recette comment on le plante. Hein. Vous prenez des graines, vous les mettez dans la terre, vous chiez un peu dedans et vous remuez le tout. Moi, la dernière fois que quelqu'un m'a demandé ça, il s'est pris un coup de matraque. Comment ça? C'est vrai. Il y a que moi qui attendez, il y a que moi qui tire pas et qui met pas des coups de matraque et des petites lasers, j'ai l'impression. Moi j'ai jamais fait quoi que ce soit. Je passe mon temps à recadrer les points de couille pour qu'ils rentrent chez moi. Bah c'est ça, vous allez plus prendre de matraque en fait, plus rien, vous allez plus rien prendre. La seule fois que j'ai tiré à l'étagère, c'est quand on a arrêté le 4x4 noir avec les Romano dedans là. Moi je crois que j'en ai frappé, je me suis plus fait tabasser que j'ai frappé, vu que j'ai frappé personne encore. Bon, la seule personne que j'ai tasée, c'est FX, hein. Il fallait bien que ça arrive, moi, une fois. Ouais, tu l'as cherché, hein. Non, mais commandant, pour vous expliquer, c'était vraiment un énorme Alain Delon, comme vous l'avez jamais vu. Vraiment. Ah oui? Il a fait louche. Ah oui, c'est quoi ce bordel? Ouais. C'est quoi ce bordel? Fait louche?
On a une nouvelle recrue dans la police. Mais c'est ça. Exactement. Oh putain, il me reste des billets dans le calbut encore, merde. Mais arrête, toi. Ah bah je suis désolé, il faut que je les sorte quand même, non? Yeah. Ah voilà. Oui, c'est vrai qu'on est en pouce, là. Oh, c'est pas grand. Putain, on m'a glissé $1000 dans le but quand même. Ah ouais, t'es allé au unicorn? Ouais. Il a dansé, il y a... Oh putain, le change. Ah, infiltration, hein. C'était très chaud. Oui, j'ai une infiltration. Du coup, présentez-vous, là, Rousseau, on est pas... Je m'appelle Aïda. Enfin, il faut m'appeler la Rousseau, du coup. Oui. Alright. Ah, je comprends pourquoi. Oui, il y a quoi qui l'entend dans le radio ou pas? Ah, c'est ça. Non, tout le monde. Non, moi aussi, je l'entends dans le radio. On s'occupera de vous aider à paramétrer la radio plus tard, y'a. Feuillez enlever la radio pour le moment. D'accord. Ouais. Alors, pour enlever la... ouais. Vous prenez la radio en main. Pour la ressortir, et puis... le petit bouton en haut à droite. Vous inquiétez pas. Bon, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est bon. Comment ça, c'est ma casquette de cadet, hein? Bah oui. Vous c'est superbe. Je sais pas avec vous, j'arrive plus à savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu ma femme au bout de 20 ans, vous voyez. J'arrive toujours pas à savoir si je préfère les doigts ou la main, vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, je vois, mais moi non plus, je sais jamais hein, si je préfère les doigts ou la main. Ah oui. Ah, oh, non, ça c'était pas... Quel corps, wow. J'en peux plus, j'en peux plus, mais comment il fait? Je cherche mon chapeau. Il est prestidigitateur aussi, à ses heures perdues, ça se voit. Waouh! Waouh! Vous avez la même casquette que moi! Ouais, c'est culture, incroyable. Culture prestidigitateur! Prestige! Oh merde! Prestitron, oui. Il est limite sapé comme Jaja, je dirais. C'est qui Jaja? Bah, comme jamais, comme Jaja. Ah, ça va. Oui. Moufla? Oui, bonjour, lieutenant capitaine. Sergent, c'est ça que je suis. Capitaine général, oui. Je suis très fier de vous, hein. Merci, mon capitaine général, le lieutenant. Parce que j'ai l'impression que ce soir, vous n'êtes pas totalement sous. Effectivement. J'ai eu le temps de déchouler un petit peu. J'ai passé une très bonne nuit. Ce midi, j'ai bu qu'un litre de rouge, comme le médecin l'a dit, pas plus qu'un litre. Ah, bravo. Voilà. Un petit jaune quand même derrière. Pour digérer. Je vous envoie un bisou, Moufla. Oh, merci. Attendez, je l'attrape en vol. Oh. Oui, oh, quelle chose. Hé hey, la Rousseau, tu regardes pas ses mains bijoux, d'accord? D'accord, désolé, désolé. Sois pas jaloux, je t'en aurai peut-être un jour. De toute façon, la Rousseau, elle t'oubliera, hein. Elle t'oubliera. C'est quoi ton nom de famille, Aïda? Oh non, commencez pas à chanter du lieutenant, par pitié. Aïda? Oui, oui, Amdaoui. Quoi? Amdaoui. Hein? Hein? Amdaoui. Comment tu dis ça? Amdaoui. Moufla, venez voir deux petites secondes. Oui. Je crois que je viens de résoudre une affaire importante. Oui, dites-moi. Sautez un coup pour moi. Quelle grâche! Comme par hasard, des bombes ce soir et une personne des îles, voire du Maghreb, qui vient intégrer la police. Vous pensez que c'est le Maghrébin? J'ai un petit doute, oui. Putain de chenopette terroriste! Ah, du coup, tu peux la reprendre. Comme par hasard! Essayez de lui poser des questions subtiles, s'il vous plaît, Mouflard, pour qu'on soit fixé. Oui, bien sûr, je vais essayer. Non, ça, merci. C'est pendant le service, Larousseau. C'est pendant le service. Mais on est en service? Non, non, là, on est en pause. D'accord. D'ailleurs, vous êtes. Ça serait bien de vous rhabiller. Aïda, dites-moi, vous êtes pour ou contre le coupage de clitoris? Pour ou contre le coupage de clitoris? Mais qu'est-ce qu'on va raconter? Il y a plus communément appelé excision. Oui, voilà. C'est quoi le rapport avec la conversation qu'on vient d'avoir? Ouais, je cherchais pas, je sais où je vais. Ah, ok, très bien, pardon. Alors, je vous laisse me dire. Oui. Vous êtes pour ou contre? Bah, personnellement, non, pour moi, mais d'accord. Écoutez, je. Non, mais par exemple, c'est dans les tribus, tout ça. Dans les tribus? Oui, par j'en exemple. J'en sais rien. Je n'ai pas de tribu, moi.
Ah non, mais je dis pas que vous, non, je suis pour savoir. Ah, c'est leur vie, hein. Ah, c'est leur vie, d'accord. Il semblerait qu'il y a plus d'argent dans les caisses. Et vous aimez bien les rideaux, vous aimez bien ça? Les rideaux? Ouais, les rideaux, fenêtres, tout ça, vous aimez bien ou pas? Vous voulez en venir où? Non, je veux pas faire connaissance, Aïda. C'est vrai que c'est important. Bah oui, les rideaux. Bah écoutez, est-ce que vous embêtez? Non, je m'en occuperai demain, faites pas chier. Les rideaux, est-ce que vous en mettez, vous, personnellement? Non. Vous mettez pas de rideaux aux fenêtres? Non. D'accord. Et, comment dirais-je? Vous aimez bien le couscous? Oui. L'agneau? Vous le mangez comment, comme viande? Le couscous, quoi. Ouais, vous mettez quoi comme viande dedans? De la viande normale, quoi. La viande normale, d'accord. Ouais, pas de... Je comprends pas. Les chipolatas, vous en mettez dedans ou pas? Non. Pas de chipot? Non. Oh, ok, d'accord. Ok, ok. Et le... Je voulais en venir où? Laissez-le, non, on a besoin. Laissez-le mener son interrogatoire, vous inquiétez pas, je vois où il veut en venir. C'est très très bien, Mouflard, bravo. Merci, mon commandant capitaine général. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous avez un petit ami actuellement? Non, c'est d'accord. Interdit. C'est bien, c'est bien, c'était la question piège. Et je peux vous poser une question personnelle? Oui, ça vous dépend. Êtes... D'accord. Et vous avez déjà vu une kick? Une kick? Oui. C'est quoi une kick? Les petites filles, elles ont un frifri. Et les garçons, ils ont une kick. Oh mon dieu. C'est personnel. D'accord. Très bien. Non, mais vous avez le droit. D'accord. Mais vous préférez quand c'est coupé au bout ou pas? Oh mon dieu. Quoi, votre dieu? Qui est votre dieu, madame? Personne. Non, c'est une façon de parler, c'est une expression. Non, écoutez, c'est personnel. Vous êtes athée? Non. Vous êtes plutôt café? Non, pas de thé au café, mon frère. Oh merde. Quoi, c'est pas bien, c'est pas ça. Bien joué, bouffer. Je m'ai trompé. C'est parfait. Non, oh. Non, j'ai hâté la religion. Ah, si c'est une religion. Mais non. Nine, le café, vous le prenez comment? Ah, est-ce que vous êtes religieuse, madame Aïda? Collègue? Oui. D'accord. Vos conclusions de l'enquête, Moufla? Je sais pas. Vous avez jamais la dynamite, tout ça, vous aimez bien ou pas trop? Non. Non, pas trop. Non, mais ouais, ça a l'air d'aller. J'ai très bien compris. Écoutez, les questions étaient un peu. Ouais, cool. Ouais, non, j'ai expliqué, pas. Mouflard. Oui, excusez-moi, Aïda. J'étais obligé de faire ça parce que, la sécurité de le service, tout ça, on préfère être sûr de la collègue. Le truc, c'est qu'on a eu des tentats, des attentats. Des attentats, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, comme par hasard, vous arrivez. Comme par hasard, vous appelez Aïda. Comme par hasard, vous avez un nom à consonance. Au moins, on l'atteste. Oriental. C'est comme ça qu'on dit, non? Ah, c'est ça, ouais. De danseuse du ventre. Hein, et voilà, du coup, on voulait être sûr un petit peu, voir si vous n'étiez pas une infiltrée. Non, je ne suis pas infiltrée, non. Non, vous inquiétez pas, c'est pas moi. Moi, j'étais à l'unicorne, moi. Comment ça? Qu'est-ce que vous faisiez à l'unicorne entre 17h30 et 28h27? 17h, non, j'étais pas là à 17h moi. Je dormais. Bon. Et vous travaillez à l'unicorne? Non. Écoutez, je cherche un travail, donc bon. Ah, vous êtes dit par dépit si j'allais aller à l'unicorne. Vous étiez prête à danser en fait? Ah non, pas danser, non, barman. Au moins je pourrais boire et tout tranquille. Ah, vous buvez de l'alcool? Bah oui. Oh super, c'est bien. Bon point. Je peux faire une blague pourrie ou pas? Oui, allez-y, bien sûr, Lucius. J'allais dire que c'était la cata, la cata Aïda. Oh, elle était vraiment pourrie. Ouais, merci. Quelqu'un a taser? Ouais, mais là, je crois que je vais m'auto-taser, d'ailleurs. Bon, d'accord, auto-taser.
Ouais. Moi, je l'ai pas entendu. Ah, vraiment ? Faites-le sur Mouflard, je crois que c'est le seul moyen de lui procurer une érection. Bah, Mouflard, vas-y. Ouais, d'accord. Tu veux vraiment te taser ? Ah bah, il le mérite, quand même. T'es sûr, hein ? Je tire dans la fesse gauche. Ah bah, il le mérite, quand même. T'es sûr, hein ? Je tire dans la fesse gauche. Ah bien, c'est la droite. Qu'est-ce que ça fait, Bert? Ah, ça me fait mal quand je vois les gens souffrir. Ah bon? Ah bah. C'est votre passé d'homme canon, ça. Ça va mieux. C'est ça. Ouais, je comprends. Qui a des tatouages ici? Négatif. Négatif. Bah non, c'était un piège, j'ai dit négatif, mais c'était un piège. Qui c'est qui a du négatif? Ah, pardon? Hein? La reine? Ouais. C'est vous? Ah bon? Ah ouais. Il est passé au lycée ou pas, capitaine commandant? Mais si, lieutenant, je vous ai entendu dire négatif. Non, je suis toujours cadet, capitaine commandant. Mais à votre avis, pourquoi vous êtes cadet? Parce que t'es une burne. Parce que je suis pas très très bon policier. Oui, et parce que vous venez de dire... Que j'ai pas de tatouage. Non, vous venez de dire... Oh putain. Que je suis cadet. Mais... T'as dit un mot en haine, le mot interdit en haine. Mais non, pas celui-là. Mais si, il a dit négatif. Non, pas le N-word. Non, il a dit négatif. Ah oui, négatif, oui, le N-word, celui-là, oui. 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 Et le P-word, hein, positif. Hein. Et le P-word. Oui. T'es les deux mots bannis, faut pas les dire. Sinon, attention. Y a un snoon qui s'appelle Yubokon, il te saute dessus. Arrête de celui-là. Oui, c'est comme ça qu'ils disent. C'est comme ça qu'on dit, Aïda. C'est ça, c'est ça. Un jean, c'est ça, un jean. Un genoun. Un genoun. Un jean aussi. Ouais, on dit pas Arnounia. J'avais ma meilleure copain, Momo. Disait toujours chien. Sinon, faut pas faire chien. Arnouna, non, c'est autre chose. Arnouna, sur faire tarma. Arnouna, c'est quand t'as un petit vidéo. Ah ouais. Nous, on est en Annette Schwarz depuis 30 minutes sur le parking. Ouais, tu te crottes de nez, quoi. Mais c'est quelle langue? Moi, je suis le langue de ma copain, Momo. Celui du unicorn et un petit peu Yulichak. Hein? Moi je fais crêpeter. Ouais, tu l'as fait un peu tourner un pourri, quoi. Ah, langue d'infiltration. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on a déjà bien fait une bonne pause, je pense. Tu penses, Mouflard, oui? Oh, ouais, ouais, là, je reprends ma charbiche, bien. Là, bon, j'ai des casquettes à acheter. Hein. Bon, bah, allez. Allez, ouais, c'est parti. En plus, ils arrivent. Partons. Pour ma part, moi je fais une fin de service. Ok, Jackson. Ah ouais, pareil, je vais faire une petite fin de service. Il y a un peu plus d'aérodynamisme chez eux. Ah, oui, nous avons fait exprès, nous avons cassé toutes les portes. Oui, oui, on a tout enlevé. Bah, c'était volontaire, je tiens à le dire. Ah, allez, oui, montez là, ça ne m'a pas trouvé. Garpation civile, Aïdot, tu stoppes la pochoir. Capitaine. Je vais m'arrêter là pour ce soir, je reviendrai demain. Oui. C'est bon? Mais je sais pas, je vous ai donné jusqu'à lundi. Ah oui, donc de toute façon, je reviens demain. Merci. Et c'est où les bières, s'il vous plaît? Ah, venez, je vais vous montrer sur le côté du vestiaire, je vais me changer. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merde. Bien, capitaine, je vais vous enquiquiner 5 minutes, ça sera mes premiers enquiquinements de la semaine. Oui. L'autre cougnafier, là, il m'a ramené sa mitraillette, là. Je l'ai mis dans la CC. Oui. Et il nous invite samedi soir tard à aller là-bas, il nous offre les pizzas, etc. Il fait un entrepôt de poids. Il fait un petit concert. Ok, très bien. Bien sûr, il payera pour ça. Ah, oui, très bien. Ok. Du coup, il nous reste quoi? Qui c'est qui a pris sa fin de service? Je crois que dans ma patrouille, pas mal à aller prendre une fin de service. Yeah, moi je prends la fin de service aussi. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, capitaine commandant? Ouais, je sais pas, il y a deux places montées, hein, ceux qui veulent monter. Il y en a aussi qui m'arrêtent là. Ça marche. Qui part, qui reste? Moi je reste. Ouais, je le garde. On te fait écule, je pense. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, les collègues. Tiens, c'est bizarre, vous avez vu, je vais faire une voiture, on la voit jamais avec. Bah oui, effectivement. On fait un petit tour, puis moi ce sera fin de service, je pense que ça va être calme. Oui. Bonjour madame. Au revoir madame. On a prévenu.
Oui, prévenu, c'est... Ça glisse. Sûrement le centre, cette grosse. Ouais, c'est bien. Je trouve que les voitures sont bien garées. Il y a un style. C'est écrit O-D-I-L-E. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Sûrement une danseuse. Oui, sûrement. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Putain, mais... Ça va, c'est Lucius qui est portière gauche derrière? Oui. Ok, c'est vous le plus costaud, donc il faut que je tape portière gauche derrière. Ouais, enfin... Hop là. Avec du carton, on va pas aller loin, hein. Ouais. Bah c'est solide le carton. Ouais. Mais j'ai rien d'être. Le gouverneur a pu parler au... Oh putain, aïe, aïe. Hop là. C'est bien, ça tape à gauche, mec. vous voyez, c'est solide le carton. Ah oui. Bah mine de rien, on en a chié pour enlever les portières et le coffre. Ah oui. Je sens plus mon bras. On en est donc là. J'ai balle. T'es donc seul. L'ennui, oui. c'est que il y a une alarme du coup qui parce qu'il n'y a plus les portes et le coffre. Ah bon? Oui, ça rend dingue. Il y a une alarme. Oh putain. Merde. Vraiment? Formation de 8 pour la police, éventuellement d'interception, tout ça. Ouais, je l'ai passé hier d'ailleurs. Je me disais que c'était pas mal, ça pourrait être pas mal d'emmener des cadets qui sont un peu fébriles de la conduite. Ouais, parfois, oui. Et puis j'ai vu avec les Roumains là où on était là, juste avant là. Oui. Pour les TIG. Pour les jeunes, ouais. Non, les TIG. Ah, la brigade du TIG. Non, les TIG. Ah, le TIG du beau, le baume du TIG. Non, le TIG. Le TIG pour les criminels. Qui veulent se faire de la. De la repénétration. La réinterprétation. Réinsémination. Ouais, la réinsémination. J'ai pas compris. Des TIG. Les TIG. Ils sont intégrés dans un zoo. Les travails d'intérêt. Ah, les TIG, d'accord, ok. Ouais, les TIG. Putain, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Elle est bien, cette petite. Ok, très bien. Donc j'ai vu avec les bohémiens, et puis j'ai vu avec qui d'autre aussi un unicorn aussi. Oui. Mais ils doivent me rappeler, les deux, ils m'ont jamais rappelé. Ah. C'est l'histoire. Ah bah... Oui, oui. Ah ouais, continue, hein. Je sais qu'il veut mettre une petite caméra dans le vestiaire. Je sais pas, mais il avait l'air tout fier de dire bonne nuit sur la fin de service de Laetitia Casta. Oui. Je pensais qu'il a une bicyclette bleue. Oui, je pense, oui. Oui. Pour de chance. Oui. Salut. Elle est bien, ce film, elle est belle dedans. On voit chez Gougout. De quoi, la bicyclette bleue? Oui. Non, Laetitia Casta. Ah. Ouais, on va chez Google. Oui, c'est pas pareil du coup. Putain, mais elle est superbe cette voiture en fait. Ouais, elle fait un peu de bruit, mais elle est bien. Oui. Bah écoutez, j'ai l'impression d'avoir le vibron de ma mère que j'entendais à travers la porte de ma chambre. Ouais. Moi j'étais plus sur le dimanche matin, le lendemain de cuite où il y a le voisin qui passe la tondeuse, mais bon. C'est ce que j'allais dire, oui. Oui, bah c'est normal, moi c'était le voisin qui lui mettait le vibro. Et la tondeuse continue à tourner, ouais. Oui, d'abord un petit coup de tourneuse et après un petit coup de vibro, quoi. Normal. Logique. On a changé le klaxon. Puis on a amélioré le moteur aussi. Mais ça a vraiment le look, hein. Et vous montez à combien, là, comme ça, en ligne droite? À 4. Hier, à 4, on a monté dessus à 3. Mais bon, il était tard, 4 heures, on avait une petite forme, hein. Vous parlez bien de Josette, hein. Oui, bien sûr. Non, la voiture... T'allais pas, vous lui avez donné un prénom, la voiture, enfin, le 4. Ah, on parle de la voiture. Ah, pour la voiture, ouais. Oui, c'est 165, oui. Ah oui. 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 Et que Josette, non, pas 165. Ah, 165, sinon, faut appeler Pascal. C'est lui l'expert des hangars sales, les crades, oui. Oui, c'est vrai. Josette, 165, ça concerne plus les kilos, je pense, hein. Oui, c'est vrai. Ah, mais faut la nourrir. Oui, c'est pour ça que vous vouliez l'emmener au restaurant. Ah, mais je...
Ah, vous parliez pas de celle-là? Pardon, je croyais que c'était de celle-là que vous parliez, mais... Oui, non, ça c'était Ginette. Ah ouais, je sais même pas toujours. Comment elle s'appelle, c'est Ginette? C'est Ginette ou Josette? Ou Babette? C'est non, Josiane? Non, non, c'est un truc en hête. Ouais, c'est... Charrette? Charrette. Escarrette. Bavette? Non. Violette. Je sais plus comment elle s'appelle. Gisette, non. Ginette. Bon, bah, on a fait un bon tour de ville, hein, c'était bien. Oui, c'était bien. Waouh, quel dérapage contrôlé maîtrisé. Josette. Josette. Chaussette. Chaussette. Oui, crapette, il y avait aussi. Je crois que c'est on Josette, pourrait faire hein. Des brigades de la fonte avec ces voitures. Ouais, super, ouais. Allez. Ah, parfait. Bon, voilà. Pour demain, n'oubliez pas, par contre, s'il vous plaît, avant qu'on rentre, je veux que personne ne passe à côté de ça, parce que ce soir, c'était le bordel. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre des notes. Gamin, ah ouais?